Wafrica TV, au-delà des idées reçues. Je souhaiterais vraiment que Malox soit récompensé. Pourquoi? Parce que dans ses chansons, il passe vraiment les bons messages en fait. Par exemple, comme sa chanson qui dit « Les gens marchent dehors par catégorie ». Moi, ça m'a rendu tellement sage à un niveau que je ne marche plus avec n'importe qui. J'aimerais voir comme artiste récompensé Lokom. Parce qu'il chante très bien et il a une jolie voix. Pour moi, c'est le meilleur artiste camerounais. Parce que il a de l'émotion dans sa voix. Tenant parce que pour moi, c'est le seul artiste camerounais que quand il chante, on sent qu'il y a de l'inspiration. On sent qu'il s'assoit, il écrit un texte et c'est son message, ça inspire la jeunesse. Oui. Ah, Blacky Star, parce que c'est le musicien de l'heure. À l'heure actuelle, on ne ressent pas la majorité. La majorité chante les chansons des Blancs. Mais à l'heure actuelle au Cameroun, présentement, on va n'importe où, même dans les bars, même dans les snacks, on va se rendre compte que Blacky Star a fait la fierté du Cameroun à l'heure actuelle. Kossi, parce qu'il est le meilleur artiste. Il est le meilleur artiste et il a beaucoup travaillé en cette année-ci. Il a fait tellement de buzz. Il mérite d'avoir le canal d'or. Bon, pour moi, l'artiste qui devrait normalement remporter au canal d'or, c'est Gifto Lorus. Parce que actuellement, c'est lui qui fait le buzz partout avec sa chanson, le car qui part. C'est de ça qu'il s'agit. Wafrica TV, au-delà des idées reçues.